Bonjour Claire. Bonjour Marie. Alors nous sommes ici dans le salon de thé Le Goûter, en plein cœur du Vieil Antibes, juste avant le marché provençal. Alors racontez-nous un petit peu. Alors, donc nous avons repris ce salon de thé il y a à peu près 3 ans, donc avec mon mari. Et donc je l'ai développé surtout en tout ce qui est pâtisserie, fait maison, mais qui est un peu traditionnel et à la fois aussi à la demande des clientes et des clients. Donc c'est des produits qui marchent très très bien, qui sont même demandés. Donc même à emporter, soit pour des anniversaires, tout ce que je peux faire, ça a été déjà le cas. Sur commande alors? Sur commande, exactement. Et puis donc ensuite il y a le brunch qui est aussi développé donc toute la semaine et les week-ends, donc le brunch salé ou le brunch sucré. Donc vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? Donc on est ouvert, ben écoutez, en cette période ça va être de 9h on va dire jusqu'à 17h. Pour les dimanches, il faut surtout réserver pour les brunchs. Et donc ensuite, donc on propose aussi donc à partir de 15h, c'est tout ce qui est côté gourmandise. Sucré donc. Donc sucré, donc vous allez avoir donc le bagel sucré, vous allez avoir les pancakes, vous allez avoir le pain brioché perdu qui est fait aussi par moi. Et tout ce qui est gâteau que vous pouvez aussi déguster autant le matin que l'après-midi, hein. Il n'y a pas que le salé le matin. Hein. Mmh. Et donc après tout ce qui est côté salé de 9h à peu près jusqu'à 15h, c'est donc les brunchs comme je disais. Ça va être aussi des tartines salées, donc à base d'avocat ou avec des œufs brouillés ou à base de saumon. Ou après côté un peu anglais, donc avec les crispy, les salades bien sûr, qui sont aussi à emporter ou sur place, les bagels. Donc on a tout ce côté-là. Et donc ensuite on propose tous les chocolats chauds italiens avec une gamme de parfums qui est assez élargie. Après tout ce qui est à base de café, après vous avez tout ce qui est le thé d'Aman qui est quand même un bon thé. Est bien aimé aussi des clients et des clientes. Vous avez également des événements que vous organisez le samedi matin ou samedi après-midi dans votre salon de thé? Oui, tout à fait Eric. Donc on a déjà eu des ateliers qui ont été sur les crèmes de soins pour les femmes bien sûr ou hommes, les marques américaines. Atelier tarot, atelier dessin, et donc là il y a des ateliers, donc un atelier qui va arriver bientôt, c'est sur les entrepreneuses féminins, bien sûr. Ouais. Ben, merci Claire pour votre accueil. Avec plaisir Eric, et puis maintenant ben, écoutez, je vous attends. Oui. Pour venir déguster les gâteaux. Vous pouvez compter sur moi. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt.